La gestion du temps cause parfois quelques maux de tête aux étudiants universitaires. Entre études et sorties, le rythme de vie bat son plein et concilier ceci au sport demande une certaine discipline. C'est pourquoi nous avons demandé aux joueuses de soccer du Vert et Or de nous entretenir sur leur façon de concilier université à leur sport préféré. D'abord, ça, c'est bien organisé. Il faut savoir se faire un horaire. Puis ça se fait quand même bien quand tu détermines ton horaire. Il faut aussi se faire des priorités. C'est sûr que durant la saison, je ne sais pas pour vous autres, mais on ne sort pas bien bien. C'est sûr que tu vas à l'école, puis le soir, tu t'entraînes. Puis quand tu as fini de t'entraîner, tu fais des devoirs. Puis tu te couches. C'est certain qu'il a fallu une certaine adaptation pour jouer, coordonner le soccer et les études, mais non, j'ai pas hésité, j'ai foncé. Je voulais jouer au soccer en même temps qu'à l'université. Durant la saison, le sport prend beaucoup de place dans la case horaire. Mais les matchs donnent aussi l'occasion aux joueuses de développer un sentiment d'appartenance et de mieux gérer leur temps. Le sport prend beaucoup de place. On a quand même plusieurs pratiques par semaine, des matchs. Mais je pense qu'il faut arriver à trouver comme un petit équilibre entre les études, le sport et les activités de la vie quotidienne. Je pense que, dans le fond, c'est d'établir nos priorités puis juste d'avoir un bon horaire de temps. Les joueuses ne s'en cachent pas. Leur sport les encourage fortement à poursuivre les études au niveau supérieur. L'équipe devient alors une source de motivation pour les études. L'équipe de soccer, ça devient comme ta famille, ça devient tes amis. Fait que ça arrive souvent que nos activités hors école, ben pas toujours, mais ça arrive des fois qu'elles sont avec les filles de l'équipe. Dans le fond, c'est ça, quand on s'implique dans le variant, on sait que c'est 2 mois, la saison dure 2 mois, on s'implique activement, puis c'est juste ça qu'on fait, mais après, on a tout le reste de l'année pour faire nos sorties ou quoi que ce soit. Fait que je pense que c'est un petit sacrifice qu'on fait, puis on sait quand on s'inscrit dans le variant. C'était Marie-Lou Desbiens pour Vert et Or Télé.